Bonjour à tous. Monsieur, Madame, nous allons procéder au mariage de Monsieur Gabriel Travelzi et de Mademoiselle Natacha Arvin. Бадальон, Здравствуйте, я буду переводить. Мы приступаем к церемонии заключения гражданского брака между госпожой Надеждой Бадальон и господином Габриэлем Трабельси. Встаньте, пожалуйста. Нет, нет. Alors, je vais vous donner lecture des droits et devoirs respectifs des époux. Я вас ознакомлю со статьями, обязанностями и правами супругов. Article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Статья 212 Гражданского кодекса. Супруги должны уважать друг друга, хранить верность, оказывать помощь и поддержку друг другу. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Статья 213 Гражданского кодекса. Супруги совместно обеспечивают духовное развитие и материальное состояние семьи. Они совместно участвуют в воспитании детей и заботятся об их будущем. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent en proportion de leurs facultés respectives. Статья 214 Гражданского кодекса. Если брачные соглашения не определяют вклад каждого супруга на содержание семьи, то супруги участвуют в семейных расходах в соответствии с возможностями каждого из них. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Статья 215. Супруги принимают взаимное обязательство вести совместную семейную жизнь. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Статья 371, пункт 1. Родительские права – это совокупность правомочий и обязанностей родителей, конечной целью которых является защита интересов ребенка. Они предоставляются отцу и матери до совершеннолетия или объявления ребенка полностью дееспособным для защиты его безопасности, здоровья, нравственности, для обеспечения его воспитания и развития в условиях должного уважения к его личности. Родительский авторитет осуществляется без физического и психического насилия. Родители привлекают ребенка к принятию касающихся его решений с учетом его возраста и степени его зрелости. Alors, mademoiselle Nadeza Arena Baladian, souhaitez-vous prendre pour époux Monsieur Gabriel Trabelsi? Надежда Араевна Бадальон, согласны ли взять мужья Габриэля Трабельси, присутствующего здесь? Monsieur Gabriel Trabelsi, souhaitez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Nadeza Araevna Badalian? Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Именем закона я объявляю вас мужем и женой. Voilà, можно. Donc, on va vous donner lecture de l'acte de mariage. Le 5 février 2022, à 16h15, devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune Trabelsi Gabriel, né le 31 octobre 1983 à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, gérant, domicilié 9 rue Edmé Mariotte à Perpignan, fils de Salah Chérif Trabelsi, médecin, domicilié à Perpignan, et de Eliane Muniz, retraitée, domiciliée à Elle dans les Pyrénées-Orientales. Et Badalia Nadezda Araevna, née le 5 décembre 1993 à Kaliningrad en Russie, employée logistique, domiciliée,
Jana Pavla Voroniza à Warszawa, Pologne, fille de Ara Georgievich Badalian, commercial, et de Nona Borisovna Sarkissian, domiciliée à Kaliningrad, en Russie. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 8 novembre 2021 par maître Christelle d'Orléac, notaire à Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de témoins majeurs, Rémi Garbet, gérant domicilié à Perpignan, de Johanna Cobet, chargée de logistique, domiciliée à... Merci de me le dire, s'il vous plaît. Sokak. À Varsovie. Oui. D'accord. Voilà. Sushan Keshishian, directeur général d'association, domicilié à Yerevan, en Arménie. Votre frère, monsieur, n'est pas. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Marie Bach, adjoint au maire, officier de l'état civil délégué. Надо ли это переводить? То есть это, все понятно, да? Ну, или tout compris? Понятно, да? Обмен кольцами? When do we give the rings? Ah, je sais pas. Je vais demander. C'est là? L'échange des alliances, c'est... Oui, on va le faire. Oui. Bien sûr. Надо подписать звезд. Voilà, c'est des soirs. Je vous remets également votre livre souvenir de votre mariage, merci, dans lequel vous pourrez coller vos photos et vous cette belle journée. Album для фотографов. Et plein de bonnes choses. Наилучшие пожелания, много счастья вам. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Хорошего дня.
Merci.